Pierre Champagne, vous allez être pour la deuxième fois avec Vincent C. Ça s'était plus ou moins bien passé l'année dernière. Comment vous envisagez la course de ce soir? Écoute, on va changer peut-être notre stratégie. L'an passé, c'est pas que ça a mal été, ça allait trop bien, en fait. C'est qu'on allait trop vite. On était en feu, puis on est parti au départ. On a accéléré pas mal, puis on s'est fait avertir de ralentir quelques fois. Et on a dû se faire tasser au bord parce qu'on allait malheureusement trop rapidement. Mais cette année, là, on va faire attention, puis je suis sûr que ça va bien aller. La température est belle, il fait chaud, ça va être le fun. C'est votre 10e participation. Pourquoi, personnellement, vous y prenez part? Ben, je suis un bénéficiaire de la Fondation Mira. Oui. J'ai moi-même un chien guide. Je demeure ici à Green Bay, puis c'est une cause qui me tient à cœur. Alors, je pense que l'argent qui est amassé ici ce soir, là, je suis comme la preuve vivante, oui, là, qu'il y a un retour dans la communauté, ici même à Green Bay. On rappelle aux gens qu'on est à un objectif de 75 000 et avant ce soir, on était déjà à 71 000. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher comme montant? Ben embêtant. Mm-hmm. Si les gens ce soir sont généreux, on pourrait sûrement se rendre à 77 000, 78. Quelle position finale vous visez? Peu importe la position qu'on va finir, d'abord qu'on a du plaisir. On sait que le gagnant, ça sera la Fondation Mira, alors on va essayer d'être prudent, avoir du plaisir, puis le reste, ben, c'est secondaire. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci beaucoup.